s'appelle Robert Johnson. Il est guitariste. Mais son ami Son House lui dit « Tu devrais plutôt jouer de l'harmonica. » Et un soir qu'il rentre de concert, hein, il est fatigué. Il arrive à un croisement, il s'assoit sur un rocher, il s'endort. Et dans son sommeil, il entend sa guitare qui joue merveilleusement bien. Il ouvre un œil, il voit un personnage avec un chapeau dont l'ombre cache son visage, qui tient la guitare à la main. Il prend peur, il referme les yeux. Mais le personnage lui dit « Je sais que tu m'entends, Robert, et je peux te donner la virtuosité. Mais en échange, il faudra que tu me donnes ton âme. » Robert n'hésite pas un instant, il est à la croisée des chemins. Nulle part où aller, sinon partout. Dans tous les sens à la fois, ou ne pas bouger du tout. Par des lieux communs ou des passe-partout. Peu importe où je passe, je ne vais pas n'importe où. Maintenant je suis là. Pour la première fois, maintenant je suis là, à la croisée des chemins. Là où mes pas ne sont jamais allés. Pour la première fois, je me suis arrêté. Quelque chose me dit que je me suis trompé. La même chose me dit que je suis dans le vrai. Maintenant je suis là. Pour la première fois, maintenant je suis là. À la croisée des chemins. Là où tout est possible, où tout se défait, là où tout se mélange, où tout peut s'inventer, au milieu de nulle part, en plein vent de partout, j'entends et je vois tout ce qui tourne autour. Maintenant je suis là, nulle part où aller, sinon partout, dans tous les sens à la fois.
face à soi-même, à celui qu'on a été, à celui qu'on sera et qu'on vient rencontrer. Maintenant je suis là pour la première fois. Maintenant je suis là. Nulle part où aller, sinon partout.